cette occasion pour lancer un appel aux hommes d'affaires. Alors, quand je parle d'hommes d'affaires, nous avons ciblé plusieurs secteurs d'activité. L'enseignement supérieur, la santé, le tourisme bien entendu, l'éthique, nouvelles technologies, l'énergie, l'agroalimentaire, le bâtiment, c'est-à-dire tous les secteurs d'activité sont concernés. Donc aujourd'hui, l'ambassade du Canada en Tunisie nous a donné la possibilité de prolonger à ceux qui veulent s'inscrire et partir avec nous, de déposer leur visa juste bad light, yani, jeudi, mercredi et jeudi prochain. Donc aujourd'hui, nous avons encore de la place. Il y a encore une centaine de sièges qui sont disponibles. Donc c'est une occasion et un appel que je lance à tous ces hommes d'affaires qui sont intéressés par ce vol pour s'inscrire, que ce soit auprès de l'Utica, auprès de la Connect, auprès du CEPEX ou de la FIPA, ou de prendre contact avec Sifax Airlines pour leur billet d'avion. Comme je vous avais dit que c'était un voyage participatif, un voyage promotionnel, nous avons établi un tarif participatif. Ce n'est pas un tarif qui est commercialisé par toutes les autres compagnies. Donc c'est un tarif vraiment symbolique pour ces hommes d'affaires-là. Et ils peuvent prendre contact avec les responsables de Sifax ici à notre siège à Tunis pour s'informer de cette participation.